Alors depuis 1948, il y a 70 ans parce qu'on passe, voilà. C'est mon grand-père, mon père, et puis mon grand-père qui passe, voilà. Voilà, donc, on est toujours passé alors. On fait Perriac, on fait Trosse, on fait Cyral, Alvinière, on fait après Ressec, c'est tout, l'Espinacière, Villarzel, enfin, toutes les campagnes d'alentour, voilà. C'est un service de proximité. Oui. Ça c'était un café, il y avait des concerts, il y avait tout. Il y avait de la vie, à l'époque où les villages vivaient. Et alors de quelle époque vous parlez? Ça remonte à quand ça? Les années 70. C'était toute une vie, il y avait toute une ambiance, il y avait la foire du mois de janvier, il y avait... Mais moi, il y a longtemps, c'est la mort des villages. Mais... L'histoire de repenser avec un esprit d'urbaniste le fonctionnement des villages, on a beaucoup de retard, c'est il y a 30-40 ans qu'il aurait fallu le faire. Même dans les villes moyennes comme Carcassonne, il aurait fallu, plutôt que de voir les villes fermées et on construit à l'extérieur, il fallait repenser en même temps qu'est-ce qu'il fallait faire des villes. Mais bon. Il y a 10 ans alors qu'il n'y a pas un jeune qui s'était installé. C'est quand même... Et l'Or, c'est une commune quand même qu'on était le premier producteur de Minervois. On était le premier producteur de Minervois et la cave coopérative, c'est plus de 100 000 hectares. À l'heure actuelle, elle est tombée à 30 000. Je ne sais pas si vous voyez l'effondrement de la vitalité de la commune. Pour vous dire la vérité, je suis tombé amoureux de ce village. Je l'adore. Les maisons en pierre, les arches, il est très beau. Et du coup, vous avez envie d'y rester quand même? Ah oui, la maison, c'est pas à moi, mais j'ai le projet de l'acheter. Elle vous plaît telle qu'elle est ou bien vous feriez des travaux de rénovation? Juste quelques petits travaux à l'intérieur, casser les murs, mettre des IPN pour agrandir un peu, la moderniser. Mais j'ai la chance d'avoir un patio là derrière. Et c'est rare. Il faut faire des ouvertures si on veut éviter que les maisons restent sombres, parce que c'est le gros problème, surtout en hiver. Est-ce qu'après les architectes de France, ils donnent l'autorisation pour intervenir? Ça, c'est une grosse question. Tu voudrais créer quoi? Un élevage? Un centre équestre? Non, moi, je voudrais créer une entreprise que d'éthologie. Parce que le mort, je l'accepte pas trop. Donc moi, lui là-bas, il est monté à l'école. Elle, pas encore, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a été débourrée. Moi, mes chevaux, c'est un moyen de locomotion pour moi. Ça m'est arrivé d'aller jusqu'à Perriac avec eux. Donc c'est vraiment un bon moyen de locomotion. Moi, je pourrais me promener qu'avec mes chevaux. Je me promènerai qu'avec mes chevaux. Ben, rapidement, en fait, quand on s'est intéressé à l'Or et à l'Aude, on a vu que le maillage cycliste était extrêmement développé. Il y avait beaucoup de cyclotourisme et compagnie. Et c'est pour ça qu'on a, à un moment, pensé que d'avoir une approche très large à grande échelle et de relier tous ces bourgs et ce territoire par des voies cyclables, des voies vertes, c'était un formidable moyen de revenir connecter et de rendre visible, en fait, un peu ce territoire. Et là, au travers de la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les chevaux, on pourrait très bien imaginer que ce maillage cycliste, cyclable, il serait adapté aussi à des balades à cheval ou des marcheurs. Des marcheurs ou...
Après, peu importe en fait la modalité de déplacement, l'idée c'est de relier des points entre eux et de permettre d'avoir des vues, d'offrir de monter sur des coteaux pour pouvoir apercevoir les bourgs et de regarder comment s'organise en fait ce territoire-là. Parce qu'on se rend compte quand même de l'or minervois quand on regarde une carte, c'est 40 km carrés la superficie du village et c'est une des plus grandes superficies des bourgs aux alentours qui est légèrement inférieure à la superficie de Carcassonne mais qui est du coup une ressource qui nous paraît extrêmement importante et intéressante à exploiter pour revitaliser et redynamiser un petit peu l'activité de l'or minervois. Qu'est-ce que tu en penses, Émilie ? J'ai déjà exploré tout le lac. Je suis allée en haut de la colline, là-haut, et j'ai une super vue, tu vois, tout le lac, et tu vois, tout le village. Et j'ai galéré pour trouver des chemins, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chemins, après, c'est pas praticable pour tout le monde. Après, déjà, pour les marcheurs, pour monter en haut, c'est assez difficile, parce que c'est vraiment en haut, on le voit, le point où j'y vais. C'est là où il y a les arbres, un arbre rond, là, et ça fait comme, je vais vraiment tout là-haut. Parce que si on s'appuie sur l'existant, ça ne nécessite pas beaucoup de coûts ou d'investissements budgétaires pour passer d'un sentier agricole qui est peu accessible à un sentier qui devient confortable pour des marcheurs, pour des vélos, pour passer à cheval avec des gens qui font du cheval juste pour une après-midi, qui ne sont pas forcément très à l'aise à cheval, mais qui du coup pourraient faire le tour du village en passant par le lac. T'as pas besoin d'avoir les bras longs pour être boxeur, mais le très bon boxeur en ce moment a quelques centimètres. C'est cher ? C'est génial, ça fait bizarre. Tu veux le jeu ? Ah, les parisiens à la campagne, c'est... Vas-y, là. Oui, Et là, on monte le ruisseau est là. Oui. Et on monte. Et toi, t'habites plus haut, là. Oui, exactement. Bon, lui, il améliore, tu vois, ces deux places, là, sont réparties. J'en parlais justement avec la dame, là, que je crois, qui s'appelle Marie, si j'ai pas mal compris. Mm-hmm. Justement, il m'avait parlé comment mettre du jour dans les maisons du village. Et moi, je lui ai dit, oui, mais c'est des anciens murs, il y a des architectes de France. Ça, je trouve excellent, moi. Oui. Ça, je trouve excellent. Non, il n'est pas contre le principe. Hein. Attention, ouais. il faut que ça respecte le périmètre protégé, c'est tout. C'est d'ailleurs à côté de l'église. Qu'il y ait un respect, même si ça ne nuise pas à l'image. Alors ça peut le complémenter, mais il faut voir. Il y a un projet qui passera, l'autre qui ne passera pas. Ce n'est pas interdit au sens, c'est interdit. Oui, ils ne touchent pas. Mais je pense que ce sera plutôt à niveau mur et tout ça, qu'on ne pourra pas. Mais qui se fasse et qui à la fois respecte. Oui, dans les normes. On peut respecter à leur temps des fois. Tout est possible. Alors justement, qu'est-ce que l'élu pense ? Est-ce que vous pensez que la commune peut être porteuse d'un projet politique ? Ça c'est compliqué. Qui passe justement par ce type de proposition ? Est-ce que vous sentez obligé d'avoir s'approprier ce genre de choses ? On est obligé d'avoir des réflexions qui sont menées par des gens d'ailleurs, parce que nous on n'a pas la capacité, on ne le voit plus. Moi c'est mon village, je suis né ici. Et je le vois comme il était presque, je ne le vois pas comme il est presque. Aujourd'hui j'ai du mal à le voir comme il est, honnêtement. Je vois l'histoire derrière, je vois les gens qui sont partis depuis longtemps. Et il me faut un œil neuf, avec une expérience nouvelle, avec des moyens nouveaux de prospective. Je vois, quand je vois ça, ça me revit complètement. Quoi. Devant la cave coopérative, devant notamment l'ancien bâtiment de la cave coopérative, l'ancien quai de chargement. Nous avons le village dans le fond. Et là, nous sommes avec l'équipe qui a gagné le grand prix du concours d'idées. Et qui justement s'est inspirée de quelque chose qui est très très fort en pays viticole, notamment ici en Minervois, qui est la cave coopérative. Vous êtes parti de ce concept de cave coopérative et vous l'avez décliné par rapport à la problématique du centre-bourg, du patrimoine, de l'habitat, des espaces, et vous allez nous expliquer et essayer de convaincre les habitantes qui sont ici de l'intérêt, du bien fondé de votre démarche. Okay. Vous venez tout oui, hein.
Oui. Ah bah, ouais, ouais. Surtout que madame, on en a déjà justement. Parlé devant le panneau. Ah oui, mais justement, c'est... Ah bah, vous êtes... rien n'est joué. Avant, j'étais briefée. D'accord. D'accord. Très bien, en plus. Très bien. Bah, je sais pas. Eh bien, oui, bah, je peux redire. On part sur l'analogie. Ouais. Vas-y, on part sur l'analogie. Oui, sur l'analogie. Sur cette analogie, bah, effectivement, on a repéré que deux choses étaient communes aux Lorrainais. C'était effectivement cette culture de la coopération, bon, en pays viticole, effectivement, ça paraît évident, banal, oui. Évident. Oui, il y a une exploitation de base et puis il y a une diversification. Et le bâti, en fin de compte, c'est un matériau de base ou une matière première, comme pourrait l'être le raisin brut. Et puis ensuite, par le savoir-faire, la culture de l'emploi de cette matière, eh bien, on en fait différentes choses. Donc ça peut aller de la création de gîtes à la création d'habitats pour des personnes âgées, en passant par la promotion d'une offre de logement adaptée à des familles qui sont peut-être plus séduites par des villas périphériques que des centres du village. Voilà ce qu'on peut espérer fabriquer à partir de cette matière première disponible, pour peu que, c'est là qu'il y a la coopération nécessaire, pour peu que les propriétaires joue le jeu de les mettre à contribution, donc joue le jeu de les mettre dans un pot commun. Chacun contribue un petit peu au pot commun, et puis collectivement, il y a quelque chose qui... un village qui se réactive, et tout le monde bénéficie, puisque c'est pourvoyeur de recettes, et qu'à terme, si la coopérative, justement, engrange des recettes, et que la municipalité est partie prenante de la coopérative, comme un coopérateur supplémentaire, et ben la municipalité va avoir les moyens de pouvoir engager des aménagements publics, aménager des squares, aménager les rues, trouver aussi, elle, des leviers pour solutionner à sa manière ce qui lui incombe, c'est-à-dire l'espace public, la voirie. On se dit, de toute façon, sans ce genre de levier, c'est très très difficile, un par un, de manière dispersée, d'engager quelque chose. Quoi. Nous, quand on a commencé à travailler sur une échelle plus fine et chercher à identifier un peu l'espace extérieur du village, on a été un peu bloqué avec ces termes de public et privé, qui étaient trop réducteurs en fait pour parler de ce que c'est que l'espace extérieur villageois. Donc on a cherché à établir un gradient pour parler de ce qu'est la réalité du village, et en même temps pour parler de ce que pourrait être aussi l'or. Et donc on a parlé d'espace public pour parler un peu des espaces tout le temps et toujours ouverts à tous et principalement gérés par les pouvoirs publics, la municipalité. Ensuite, on a défini les espaces publics participatifs, qui sont les espaces publics, mais où l'habitant est encouragé et accompagné avec la mairie à venir habiter, aménager et entretenir l'espace du coup public. On s'est un peu inspiré en fait de cette rue là, où on voit que les habitants ont s'approprient l'espace public, et du coup ça crée quelque chose de vraiment particulier et une ambiance assez chaleureuse et intéressante dans le village. Ensuite, on a parlé des espaces privés apparents. Donc là, c'est l'exemple, par exemple, de ce petit jardin où, en fait, l'espace privé, où donc on ne peut pas y rentrer si on n'est pas propriétaire, profite quand même à l'espace public, parce qu'à un moment donné, ça offre une dilatation à la rue, ça fait rentrer plus de lumière, il y a la végétation qui va déborder, etc. Et enfin, on a défini des espaces privés, qui pour le coup ici on ne voit pas, vu que ce sont les espaces qui depuis l'espace public sont invisibles, mais qui existent pourtant dans le village. Et on peut imaginer quand même, quand on est ici, vu l'appropriation de la rue, on peut imaginer que les espaces privés sont un peu manquants. Enfin, en tout cas, les espaces extérieurs privatifs sont plutôt manquent à l'appel, et du coup, les habitants spontanément investissent l'espace extérieur commun qui est la rue. Et ici, c'est un bon exemple. Au bout de la rue, on voit qu'il y a même des bancs qui ont été mis en place depuis longtemps,
dans une autre rue à côté, la mise en place de bancs est pratiquement systématique. Donc il y a aussi, on sent à travers tous ces signes, peut-être des usages qui sont un peu passés, d'une certaine façon. Dans l'autre rue, c'est plus flagrant, des bancs qui ne servent plus, mais qui pourraient resservir assez facilement, et en tout cas qui donnent envie de poursuivre ce genre de pratique. Et peut-être que ce genre de pratique, elle pourrait être justement encouragée par la mairie, par voilà, la mise en place d'opérations banc devant la maison, et puis des journées où les gens seraient invités à échanger à l'extérieur plutôt que de rester dans leur cour à l'arrière. Voilà, ça ne veut pas dire que la cour n'est pas importante. Dans notre projet, on parle aussi de la cour intérieure et de la nécessité de permettre aux habitants d'avoir des espaces extérieurs privatifs. Mais voilà, donc là, c'est encore un autre travail qui est plus un travail sur la sculpture de l'espace bâti. Est-ce qu'il faut parfois détruire certains bâtiments pour créer de la respiration à l'intérieur des îlots? Voilà, donc ça c'est une autre question, mais qui est complémentaire de cette question de l'appropriation de l'espace public. De manière générale, c'est quand même un espèce de travail sur les différentes nuances de vivre ensemble et d'être ensemble, en fait. De dire qu'il y a des moments, en fait, où la convivialité, elle se passe dans la rue, sur le seuil de la porte, et qu'elle peut être poursuivie à l'intérieur, voire à l'intérieur cachée, la cour. Mais qu'en même temps, il peut se passer beaucoup de choses aussi. Par exemple, cet îlot-là, il n'y a pas de cour intérieure. Donc en fait, les gens, leur espace extérieur, le seul dont ils peuvent jouir, c'est celui-ci, en fait. Et du coup, on peut très bien imaginer que... Enfin, c'est pas imaginer, c'est... Il faut aussi que politiquement, il y ait une approbation et une tolérance qui soit clairement affichée et définie et encouragée pour qu'en fait... ces maisons-là qui n'ont pas de jardin, donc ce qui peut s'avérer être un désavantage, au contraire, on se rend compte que ça devienne pas forcément un atout, mais qu'en fait on détourne ce désavantage pour que la maison reste toujours attractive et désirable, en fait. Et de se dire, bon ben en fait, moi j'ai pas de jardin, mais j'ai une cour, enfin j'ai un devant avec quelques plantes, je peux poser mon banc, il fait frais l'été, etc. Le linge. Mes voisins. Voilà, et c'est toléré. Et donc du coup, il y a une. Enfin. Après, de cette espèce de relation qu'on pousse comme ça avec des dispositifs spatiaux, peuvent naître quand même aussi dans la relation humaine des gens entre eux, une confiance, une proximité, une convivialité. Et solidarité. Et une solidarité à terme. Voilà. Donc c'est un peu idéal, c'est un idéal, mais disons que... Ça mérite d'être creusé, ça mérite effectivement d'être proposé. Moi, en tout cas, personnellement, j'y adhère. Je sais pas. En fait, c'est un peu qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en commun, oui, pour un bénéfice général, ouais, dont on bénéficie nous-mêmes. Tout quoi. Le monde, oui, c'est ça. Et c'est accepter de mettre cette première, ouais, pierre, ouais, et que les autres viennent ou ne viennent pas. Libre à eux après d'ajouter ou pas. Mais la synergie faisant, on peut espérer que ça séduise et qu'on comprenne, oui, l'intérêt. Il faut l'amorce du projet et puis voir ce que ça donne. Donc. Et c'est bien si c'est tout. Mais vous voyez, vous m'avez fait découvrir, bon, j'y passe pas tous les jours, mais c'est vrai que là, l'espace public a été heureusement agrémenté, et c'est très plaisant. Mais je suis pas sûre qu'on voit ça souvent dans l'or. Enfin, je crois pas. En plaisantant, on disait, voilà, la mairie, elle dit, bon, ben, on vous achète, tous les habitants de cette rue, on leur achète tous un bac de fleurs et du terreau, et des pousses, quoi. Et ça crée un événement de convivialité, ça marque l'espace, ça, en plus, ça demande un entretien régulier dans le temps, donc c'est au final... On avait imaginé la mise à disposition d'un marteau-piqueur pour venir à des moments faire des... Non, mais faire des petites percées, parce qu'en fait, des fois, il ne faut pas grand-chose, c'est un petit trou dans le bitume, et on peut mettre une grimpante, une glycine, comme il y a dans d'autres rues, et tout de suite, ça donne aussi tout un cachet. On parlait aussi sur le mobilier, il y a des choses à faire. Sur le mobilier urbain, je ne sais pas, qu'il y ait une journée de la chaise peinte, chacun sort une chaise différente, mais la peinte de la même couleur. Enfin, voilà, plein de petites choses qui sont... Oui, ça tient de l'aménagement physique, mais aussi de l'animation politique. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important dans le projet, en fait. On va faire un petit tour pour vous rentrer au... Ah oui, il y a des endroits où on pourrait...
Voilà, être sans publicité. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Et passez une bonne journée, au revoir. Ah. À la fenêtre. Hop. Et voilà. Et voilà, servi à domicile. Quand on fait quelque chose qui nous plaît, on peut faire avec plaisir. Donc, comment je travaille avec plaisir, ben, j'ai décidé de partager ma folie avec tous mes clients. Voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vous qui vivez dans ce village depuis très très longtemps, est-ce que cette convivialité qui est propre au petit village, est-ce qu'elle existe toujours ou est-ce que vous l'avez vu évoluer et comment ? C'est moins qu'autrefois. Autrefois, disons, on vivait davantage dehors. Et bon, les soirs d'été, on vivait sur la place. Il y avait un banc sous la fenêtre chez André, la voisine. Donc, on était sur le banc, tout le quartier, on était sur le banc. Les adultes parlaient, les enfants, on était trois, on jouait. En été, on écoutait Jacouti et Catinou. Vous ne savez pas ce que c'est. C'est une émission bon, voilà. Et en hiver, on se réunissait dans la maison d'André, donc de Madame Huillet, et on jouait au loto. Mais disons qu'on avait une vie besoin de quartier. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à ton époque, le village était très peuplé. Mais par rapport moi, à aujourd'hui. Il y avait 650 voilà. habitants, alors qu'actuellement, voilà. je ne sais pas si nous sommes une centaine. Dans le village, tout oui. juste. Ouais. Tout 100, juste. 100, maintenant, 110 bon. À peu près. Est-ce que, en tant qu'habitant, en tant qu'élu, comment vous envisageriez les choses? Et est-ce que vous pensez que c'est possible, qu'on peut le faire, qu'il y a des moyens d'attirer à nouveau, de faire revenir cette vie de village dont vous parliez, est-ce qu'on peut aujourd'hui, en 2016, envisager que ça redémarre ? Ça pourrait, mais il y a le problème aussi que la vie aujourd'hui est très différente par rapport à l'habitat. Aujourd'hui, les jeunes couples veulent avoir un habitat plus grand, parce que quand on pense qu'il y avait 8 ou 9 enfants dans des maisons, ils devaient être à 4 ou 5 dans leur chambre. Aujourd'hui, ils ne sont pas très grandes. Elles ne sont pas larges, elles sont plutôt un peu en hauteur. Et là, le gros problème, ça serait de pouvoir assembler, par exemple, deux maisons et en faire qu'une seule pour pouvoir avoir un espace plus grand, c'est-à-dire que les enfants ont chacun leur chambre, un espace jeu, ce qui est difficile aujourd'hui parce qu'il y a une multitude de propriétaires dans le cœur du village. Quand on parle, de ces familles nombreuses comme ça, c'était aussi une époque, il faut se reporter 40 ou 50 ans en arrière. 50 ans en arrière, il n'y avait pas de salle d'eau. Non. Et bon, il n'y avait pas les sanitaires comme on a maintenant. Donc, disons que tout ça, ça prend de la place sur la place habitable aussi, bon, dans ces petites maisons. On ne peut pas concevoir une maison sans des sanitaires, sans une salle d'eau. Et, bon. Et ensuite, l'handicap dont on a parlé aussi, c'est que en plus des rues qui sont étroites, hein, qui posent des problèmes en cas d'incendie. Oui. Bon. Oui, 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 oui. Non, mais on vient d'aller voir l'exemple. Oui, oui, oui. Mais disons que vous n'avez pas de garage. Et que demandent les gens? Un garage et un petit espace, une petite cour, quelque chose pour, si on a un enfant qui puisse jouer ou ainsi de suite. Un bout de cour, un petit quelque chose. Et donc, dans les rues du village, il y a des maisons. Je vous disais l'autre jour, qui ont la petite cour arrière, le ciel ouvert, le puits de lumière. On appelle ça une serre ouverte chez nous, un ciel ouvert. Mais disons, ce n'est pas toutes les maisons qui ont ça. Non. Alors attends, on est rentré par où? On est rentré par là, tadadac. Donc ça veut dire que si on remonte, en gros. Donc là, on a les maisons de l'arrière du tour de ronde. Du coup, qu'on laisse donc celle-là intacte. Et en fait, c'est sur cet îlot ici, celui-là, de ce côté-là. Nous on était sur le plan, donc il y avait pas mal de bâtiments vacants. Oui, c'est vrai. Et du coup, comme c'est une rue qui est assez exiguë et qui est très 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 peu lumineuse, et même en été, du coup on s'est dit que ça serait bien de ramener de la lumière, du coup d'avoir
d'avoir la possibilité de détruire la plupart des bâtiments vacants qui sont de ce côté. Cet îlot, on le garde parce que elles sont pas vacantes. Et puis surtout, la plupart de ces bâtiments, ils ont les ouvertures étaient refaites côté rue, ce qui fait que du coup, ils étaient habités. Et on se dit que de toute façon, tous les bâtiments n'étaient pas obligés d'offrir la même offre sociale, c'est-à-dire d'avoir tous obligatoirement des jardins ou tous une terrasse, etc. Et que c'était bien d'avoir une offre mixte pour repeupler le village, donc des maisons sans jardin, des maisons avec une possibilité de faire des appartements moins grands aussi, parce qu'on n'est pas obligé. Pour avoir l'objectif en fait d'avoir plusieurs types de personnes qui viennent habiter, pas que des personnes âgées, mais aussi des jeunes qui cherchent plus un petit appartement plutôt qu'une maison. Voilà. Des familles. Voilà, donc c'était vraiment dans le logiciel d'avoir une mixité de typologie de logement. Donc votre intervention dans ce secteur, elle consistait en quoi? Alors, principalement, on conservait les. Comme tu as dit, on conservait le linéaire. Le linéaire de bâtiment, justement, qui était assez intéressant. Voilà. Ah, de gauche et de droite. Voilà, de gauche et de droite à cet endroit-là. Puisque. Voilà, en fait. Ouais. On conservait vraiment le. C'est chez moi. Ah, voilà! C'est pour ça! Ah, parce qu'il n'y a pas de cour! Il n'y a pas de cour! Pourtant, on a rien. Si, il y a une cour, mais devant la cour, il y a des bâtiments. On pensait qu'il y avait un petit passage. Non, il passait. Ouais, bah oui, parce que pourtant, on a regardé en plus. C'est là. C'est que nous, ici, on ne touche pas, hein, parce que ce qu'on a dessiné, c'est cette petite cour. Bah oui, on a vu qu'il y avait sur le plan, il y a une traverse. Non. Alors, il y a une petite traverse, là, il y a une traverse, mais en fait, voilà, c'est ça. C'est la traverse. Donc, elle a fait une traversée. Voilà. Exact. En effet, elle a fait une traversée. Ah, il y a une traversée. Mais c'est que de temps en temps, il faut pouvoir. Voilà, parce que. Elle a un peu traversé, c'est pas grave. Hein. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il y a un tout petit. Enfin, ce bâtiment-là, il n'est pas épais. On va traverser, on va passer. Ah, bah oui, on peut visiter. Parce qu'on a eu beaucoup envie d'entrer à cet endroit-là. C'est vrai que. Ah, voilà. Ah, mais il y a même une traversée. Et à l'origine, il y avait un bâtiment qui était. D'accord, oui, là, il y avait un bâtiment qui était ici, voilà. C'était fermé, les deux. J'ai anticipé, j'ai cassé. Oui, c'est ça. C'est un peu ce qu'on fait, D'avoir une ruelle le long, là. C'est ça, on voulait que de là, on puisse accéder. J'ai anticipé, parce que voilà, c'était jusque-là. Oui, il y a un trace. Et du coup, voilà. Et du coup, là, on s'est dit, on peut se propriger d'un mètre sur un ligne. C'est cruel, quoi. Entre chimiques, ils existent. C'est bon, il me reste encore les chameaux. Voilà, ouais. Non, parce que du coup, on avait fait linéaire, là, ouais. C'est vrai. Bon, il reste encore la plupart du jardin, aussi. C'est à l'origine, c'était, on appelait ça des patus. Des patus, c'est-à-dire qu'il y avait des animaux. D'accord. Ici, il y avait des cochons qui étaient là. D'accord. Ah, juste en bas. Du coup, il y avait donc les bâtiments très serrés. Tout, voilà, tout ce qui est la porcherie, les donc, c'est là-dessous maintenant. D'accord. Ça a été cassé, ça a été comblé, j'ai mis là-dessous. D'accord. C'est des patus. Ah, pourquoi il y avait cette petite. À l'origine, il y avait vraiment de l'espace. Mmh. Ça a été bâti après. D'accord. Ah oui, ah, c'est après qu'ils ont ensuite encore plus bâti. Il y a même temps. Hein. Ouais, oui. Ça, c'est très bien. Déjà très mais bâti. J'ai vu un plan en 1700 et quelques qui était à la mairie, je l'ai vu. C'était vide, c'était libre. D'accord. Normalement, parce qu'en face, c'était libre aussi. C'est une ruelle qui sortait à la maison des ogives. Vous vous souvenez, la maison avait les ogives en briques. Ah oui, elles sont tout derrière. Ça rejoignait cette ruelle. Il y a pas mal de vacantes là, parce que nous, justement, dans la rue là-bas, on s'en sert pour faire des parkings mutualisés en dessous, et du coup de garder les ogives et puis ouvrir justement ces ogives à la rue, ça communique. Vous avez vu arriver ce concours d'idées, ces idées innovantes, et sur ces idées innovantes, vous apercevez que pour créer des vues, pour aérer, mettre de la lumière, faire des typologies de logements différents, on peut en arriver justement à remodeler le tissu ancien, le bâti ancien, et donc éventuellement à casser des bâtiments. Y compris des bâtiments non vacants, puisque c'est le cas pour le vôtre. Ouais. Donc, quelle a été votre réaction spontanée quand vous avez découvert ces propositions? Ça m'a fait rire, c'est pas. Moi, je suis persuadé que ça reste des idées. Bon. Il n'y a pas d'avis. Moi, j'ai anticipé, comme je vous dis, c'était fermé jusqu'en haut, là-haut, là, déjà. Là, j'avais pas de soleil ici, jamais. Donc, j'étais obligé de casser, de réduire au maximum le bâti, quoi. Et c'est à moi aussi, en face. Ah, c'est ça.
First of all, we rented houses. Yeah? Nous avons loué des maisons depuis 18 mois dans trois différents villages. Oui? Et nous avons décidé cette maison. We had decided to buy a house with no work. Okay. But we loved this house. I could negotiate a garden. Yes. So it's unusual to have a village house. But it's the ambition of British people that come to France to live in an old house. Yeah. Most of them. Some want a villa with a swimming pool. But most people like a project and have a romantic idea of renovating an old house. 20 years ago, yeah. I worked in a business and we sponsored rugby league, rugby à 13. Et j'ai visité Limoux avec l'équipe anglaise qui jouait contre la France à Carcassonne. Et nous... c'est comme ça que vous avez découvert la région. Oui. Et j'ai le déjeuner à Limoux. Et, James, le ville ici. Le coup de cœur. Oui. C'est un des rares qui encore vient voir les matchs de rugby à 13. Oui. Parce que le rugby à 13 à 15, il y a l'antinomisme. Oh, nous sommes très histoires. Mais j'ai le 15, oui, le 15 aussi. Mais moi aussi, on regarde. Parce que je suis gallois. Pas... Voilà, il n'est pas anglais. Ah. Oui. Parce que dans le village, nous avons deux gallois. Philippe. Philippe, il n'est pas tout à fait gallois, je crois, non lui. Non, Sharon. Sharon était gallois. Okay. Mes amis, Gilles Doward, elle est gallois aussi. Ah oui? Oui. Parce que le Philippe, qui habite sur la route Pomme, quand il y a le match France-Galles, il sort le drapeau gallois sur son jardin. Oui. Et donc cet après-midi, ils vont être exposés des projets pour faire revenir un peu des populations jeunes dans le centre du village. D'accord. Donc si ça vous intéresse, oui. Comme vous êtes jeune, je me suis dit, voilà. Oh, retraité depuis le 1er janvier. Il faut que vous veniez. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va. Bonjour. Monsieur Sabatier. Voilà. Vous êtes de Pieux, vous êtes originaire d'ici. Oui. Voilà. Et vous habitez cette maison depuis toujours? On habite là, depuis 71. Et vous appréciez cette vie de village? Vous avez toujours vécu dans un village? Oui, moi j'ai toujours habité, oui. Ou la campagne ou le village. Et c'est quoi l'avantage du village pour vous? La tranquillité. C'est mieux que la ville. C'est mieux que la ville, c'est plus tranquille. Il y a un boulanger qui passe et a pris un café. Il y avait une épicerie, mais ça n'a pas marché. C'est trop près de Limoux. C'est trop près. Et votre fils, quand il s'est installé, il ne s'est pas installé dans le vieux village, il est allé construire en bas. Non, là, juste là. Non, oui. La première maison. Dessous. Oui, en dessous, là, le top, voilà. Vous allez à pied à Limoux? Ça se fait plus de là. Oui. À pied, on va à Limoux. Vous mettez combien de temps à pied? Oh, ça, ma pauvre, je ne l'ai jamais regardé. À pied, ça, moi, j'ai mis 35 minutes. Je ne l'ai jamais regardé. Et vous, madame? Il y a 3 km à peu près. Centre-ville, oui. Je ne sais pas. Mais ça vous paraît faisable? Oui, c'est faisable. Mais j'aime bien, il va chercher le pain tous les matins. Oui, il y en a qui vont à pied. Il y en a qui vont à pied. Le clair est en face. Oui. Il n'y a que le pont à traverser. Pour aller chez le clair. Un kilomètre. Le paysage, vous êtes en tant que viticulteur. Non, ça là-haut, la colline, bon, encore braille. Mais c'est en bas dans les trucs des champs comme ça là que bon, qu'on peut travailler et qu'ils mettent des maisons. Voilà. Donc là, vous n'êtes pas d'accord. Non, là, je ne suis pas d'accord. Parce que ça prend sur des terres agricoles. Voilà, c'est des terres agricoles et après, ça détruit tout l'environnement. Mais madame Bayascas habite dans la rue de la Treille. Et depuis combien? Ça fait 60 ans que je suis pieuse. Elle n'est pas pieusane de naissance? Non. Elle est étrangère comme moi. Ils étaient propriétaires viticoles. Et ils en ont cédé une grande partie justement aux enfants de Sabatier. Et le jardin, parce que là justement, il n'y a pas d'espace ni rien pour pouvoir cultiver. Donc il y a le jardin juste en dessous de la maison.
En ville, il y a un certain anonymat, les gens sont relativement en distance, c'est des temporalités différentes. Et on s'est dit, en fait, dans les villages, ce qu'on vient chercher aussi, c'est une proximité avec les gens et la possibilité de pouvoir échanger au quotidien. Voilà, donc c'est l'idée de la convivialité, elle est venue là, de ce constat-là, qu'on a ensuite voulu du coup transmettre dans l'architecture et l'urbanisme qu'on a choisi. Et c'est vrai qu'on s'est dit, une place, c'est bien beau de dessiner une place, mais il faut l'animer, sinon ça ne marche pas. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut mettre sur une place pour l'animer? Au début, on a fait l'hypothèse des commerces, mais on s'est dit, on a à 1 km d'ici une grande zone commerciale. Oui, non, c'est pas la question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, quand on regarde un peu les chiffres, etc., qu'est-ce qui fait vivre la France aujourd'hui? C'est quand même le tissu associatif. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est dans un niveau du poids économique, quand même, les associations en France supportent beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'était la possibilité aussi de leur donner un espace pour pouvoir s'exprimer et faire vivre le village. Sachant qu'on a vu, quand on a fait un peu la phase analyse, qu'il y avait un tissu associatif très développé sur le village. Et vous faites dans ce projet revenir, je crois, la bibliothèque qui aujourd'hui est à l'extérieur. Voilà. C'était un peu d'une pierre deux coups parce que, premièrement, le bâtiment de la bibliothèque, architecturalement parlant, ne nous paraît pas très intéressant, d'autant plus... on a vu qu'on était à la vie partagée des habitants, et d'autant plus qu'en fait, il est situé devant l'église et qu'il casse complètement la perspective qui est très intéressante qu'on arrive dans le village sur cette église-là. Et en plus de ça, c'était aussi un moyen, la bibliothèque étant un peu le centre nerveux aussi des villages, des habitants, de faire revenir les habitants de la périphérie aussi au cœur du village. Oui, s'il y avait eu les noms de rue, ça nous aurait aidé. Ah oui, c'est vrai. Ça, la cune. Non, vous l'avez fait exprès de ne pas mettre le nom de rue? Non. Non, vous l'avez oublié? Non. Non. Pas partout. Non, pour commencer plus globalement, pour expliquer le projet d'une manière générale, nous, on s'est intéressé principalement aux espaces publics comme support de projet. Et du coup, dans un travail d'évidement pour dédensifier le centre-bourg afin de centraliser des espaces à des endroits qui vont petit à petit être des supports de nouveaux usages, de nouveaux rythmes urbains dans le centre-bourg. Donc on en voit du coup une série, on a un espace qui se trouve ici. Alors si vous le situez, c'est une dent creuse qui se trouve au niveau du chemin de ronde, qui est bridé, mais pour expérimenter aussi on s'est un peu, on s'est un peu enlevé ces contraintes-là. Un espace central qui est une cour partagée actuellement, qu'on imagine un peu comme une place centrale à l'intérieur du centre-bourg. Alors c'est où? Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit? À cet endroit-là, aujourd'hui, il y a un muret avec crépi rose, avec une poutre en bois au-dessus. En fait, il y a cette petite maison juste à côté. Qui est celle-là? Où il y a un arbre et avant il y a les petites murettes qui a été démolie il n'y a pas très longtemps. C'est pas la maison de sous là? Là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une espèce de petit mur avec une grosse porte blanche. Le garage, en fait, là, c'est ouvert. On a vu directement sur le paysage. L'idée, c'est qu'on a ces espaces publics et on vient les reconnecter avec des systèmes de tracés piétonniers entre les bâtiments. Vous gardez quand même l'esprit du bourg, là. Oui. Davantage que là, c'est dans mon idée. Je ne critique rien parce que j'aime de rien, mais bon. C'est des espaces verts. Voilà. Il n'y a pas de voiture là. Voilà. Donc là, ce qu'on propose, c'est de faire un tour par toutes les maisons qui sont et vous allez pouvoir voir un peu tout ce qui a été imaginé. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à. Est-ce que vous auriez une idée? Parce qu'il y en a
qui habitent dans le camp du village. Est-ce que vous aimeriez y habiter et pourquoi vous n'aimeriez pas y habiter et qu'est-ce que vous souhaiteriez échanger? Vous n'allez pas essayer de maintenir un mur à On a voulu créer ce concours en 2015 au CIUE parce qu'on s'est rendu compte, comme beaucoup d'autres, que dans le territoire rural, qui quand même concerne 90% des communes en France, il y a une désertification du centre ancien au profit notamment des extensions, de ce qu'on appelle des lotissements. Si on pouvait résumer à ce que l'on a demandé aux professionnels et aux étudiants qui ont planché sur ce concours, c'est redonner envie de vivre en centre ancien, donc apporter les qualités qui manquent, et ne surtout pas retirer les qualités qui existent déjà. Je rassure tout le monde, il l'a déjà fait, je crois, c'est pas quelque chose qu'on va faire de suite. Mais on va pas détruire vos maisons, hein. Certains ont vu peut-être leur maison détruite, là. Non, on va pas détruire, hein. Vous en faites pas. Voilà, hein. Ne vous affolez pas. Ce qui est intéressant, c'est, je pense, d'après tous ces projets, c'est que ça va nous permettre d'avoir une vision de notre village, comment il peut être dans 20 ou 30 ans. Je crois que c'est ça qui est important, c'est d'avoir cette vision-là. Et quand on va faire un changement, quand on va décider de modifier notre village ou de faire un investissement sur notre village, eh bien, il sera bon de se reporter à ce projet et grâce à ce concours-là. Voilà, c'est d'avoir un fil rouge au cours de toutes ces années à venir.